Et salut tout le monde, du coup ça fait une semaine que j'ai fini les plans de mon cerf-volant et cette semaine j'ai bien avancé, je me suis fait le dessin sur les panneaux. Pour pas faire une couleur unie, le petit dessin qui va bien. J'ai fait des petits traits dans tous les sens, dans un sens sur le côté droit et un autre sens dans le côté gauche, ce qui me permet d'avoir deux couleurs sympas sur la voile. Alors avec mes petits feutres, je me suis fait du coloriage, ça donne ça. Voilà ce que je voulais faire sur mon kite. Voilà. Alors du coup, avec des petits bouts de tissu que j'ai reporté sur mes traits, ça donne ça. Là, j'ai pratiquement fini la voile, il me reste les deux panneaux en extérieur de la voile sur le stabilo. En fait, c'est des caissons fermés avec des entrées d'air, comme ça, ça va tenir un peu le boulet. Et j'ai pratiquement fini la voile, en gros. Du coup, voilà, ça donne ça. Voilà, le petit dessin. Hop. Et c'est vrai que là, j'ai eu la main lourde. 10 mètres carrés, ça fait balèze. Mais c'est pas grave, on fera du vol de pente si ça marche. Voilà. Ça fait ça. Approche-toi, je te fais voir les joncs. Et du coup, sur la voile, il y a deux A. Sur le côté, il y en a un, un, deux, un, un, deux. Ça fait un sur deux. Et il y a des poches à joncs. Des poches à joncs à l'intérieur avec des pattes d'attache. Qui sont prises comme ça, là. Voilà, une patte d'attache, des A. A, la poche à joncs qui s'arrête ici. Et du coup... il me manque un peu de tissu. J'ai commandé du tissu et ça va arriver la semaine prochaine pour pouvoir continuer les boudelles. Et le mois prochain, j'attaquerai le suspentage. Donc voilà ce que ça fait. Ma petite bestiole de 10 mètres carrés. Bon, amusez-vous bien. À la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde. Bisous.